L'intelligence artificielle est devenue incontournable dans plusieurs domaines de la vie, dont l'éducation. Enseignants, étudiants et élèves l'utilisent pour réussir à remplir plusieurs tâches qui autrefois n'étaient pas possibles. Mesdames, Messieurs, fidèles téléspectateurs de Ouafrica TV, notre émission Le Point fera un point sur l'appropriation de l'intelligence artificielle dans le système éducatif camerounais. Il s'agira de parler des perspectives pour une utilisation de manière assez constructive et réfléchie de l'intelligence artificielle dans le système éducatif camerounais. Et pour répondre aux questions autour, j'ai avec moi le professeur Mouchili Soulé qui est professeur titulaire de philosophie et enseignant à l'université de Yaoundé 1. Bienvenue, professeur. Merci. Merci pour cette invitation. Merci de répondre à nos différentes questions. Merci. Alors, professeur, c'est quoi l'intelligence artificielle? Bon, l'intelligence artificielle, c'est l'extension des capacités cognitives de l'homme à l'échelle automatique et l'homme a des capacités naturelles. Et entre autres capacités naturelles, la cognition. Et l'activité cognitive engage plusieurs facteurs ou bien plusieurs orientations. Il y a la spontanéité, la proactivité, l'anticipation et même la proaction. Et au-delà de ces activités propres à l'humain, il y a aujourd'hui la gestion du temps, la conservation des informations et aussi l'instantanéité dans la recherche des données qui exige que l'homme ne fasse pas tout simplement usage de sa mémoire et qu'il essaye d'étendre son pouvoir qu'il pourrait transposer dans des systèmes automatiques qui peuvent l'aider à gérer les types d'informations qui peuvent relever des automatismes, de l'instantanéité ou alors de la vitesse dans la gestion du temps. Bon, à ce niveau, l'homme va rester dans le domaine de ce qui relève essentiellement du pouvoir humain et qui ne peut pas être automatisé. En ce moment, l'intelligence artificielle devient un moteur de recherche ou alors un apport aux capacités humaines de faire la recherche. L'utiliser dans le milieu éducatif ne va pas cultiver en l'apprenant ou à l'enseignant une certaine paresse? Non. La conservation des données. Vous savez, la mémoire humaine dans son usage optimal et la capacité qu'a cette mémoire à vouloir à un moment donné avoir des pauses, la rapidité non optimale dans la vitesse d'exécution de certaines tâches qui relèvent de l'humain peuvent, lorsqu'elles sont transférées à la machine, ces tâches peuvent s'exécuter plus rapidement, plus efficacement et avec plus de rentabilité. À partir de ce moment, l'intelligence artificielle, même en milieu scolaire, devient un moteur favorable à l'accès, donc qui facilite l'accès de l'apprenant aux informations et même de l'éducateur aux informations qui peuvent être stockées. Aujourd'hui, on n'a pas nécessairement besoin des bibliothèques physiques. Il y en a qui sont numériques et qui peuvent être plus rapidement accessibles que lorsque on gère manuellement la documentation. Donc, c'est un facilitateur dans la conception même de l'éducation de notre époque et non quelque chose qu'il faudrait négliger. C'est fondamental dans le système éducatif contemporain. Vu sur cet angle, professeur, comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour transformer les écoles et les universités au Cameroun? Vous savez, la connexion du système d'apprentissage à l'échelle planétaire
exige de nos institutions universitaires qu'elles se mettent à la hauteur de cette production en termes de qualité, en termes de compétences et en termes d'apprenants compétitifs dans le rapport, dans le système de rapport de force de cette compétition entre les cerveaux à l'échelle mondiale. Il faut bien que nous soyons connectés aux autres pour apprendre de la différence qu'ils constituent et pour qu'ils apprennent aussi de la différence que nous constituons. Les distances, lorsqu'elles sont cassées, permet à tout le monde d'avoir possiblement accès en temps réel aux mêmes informations. Et comment est-ce que l'intelligence artificielle peut être utilisée pour renforcer l'étudiant camerounais en difficulté? L'étudiant camerounais en difficulté, disons, l'intelligence artificielle, son usage n'est pas spécifique à l'étudiant camerounais. Parce que il faut déjà avoir cette culture. Et pour avoir cette culture, il existe des principes d'acquisition des capacités nous permettant de savoir faire usage de l'intelligence artificielle. À ce niveau, il est question de faciliter l'accès aux informations. Il est question de savoir comment traiter automatiquement un certain type d'informations. Comment orthographier plus rapidement nos textes, comment les écrire plus rapidement et comment façonner plus rapidement la conception qu'on veut avoir de la qualité et de la structuration qu'il faudrait donner à ce que nous produisons comme dessin technologique, comme préparation d'un format en attente d'une écriture ou d'une rédaction. Donc, il y a un ensemble d'éléments qui concourent à ce que l'intelligence artificielle utilisée en milieu scolaire soit fondamentale et un des principaux moteurs de recherche ou d'accès à l'information. Comment faire pour s'approprier de ces différents éléments? Il y a un investissement qu'il faut. Il y a la construction du génie informatique, du génie technologique, du génie computationnel qui devrait être la base d'une éducation de façon à ce que, à l'intérieur de nos universités, de nos lycées, de nos établissements primaires, qu'on apprenne à concevoir un système automatique de gestion d'information et qu'on apprenne à baliser les bases d'une éducation qui s'approprie des techniques modernes d'accès à l'information ou de partage ou de diffusion de ces informations, de communication même également. Parce que l'enseignement ne peut plus se faire nécessairement en présentiel, seulement en présentiel. Non, on peut en distanciel diffuser des informations, produire des enseignements et avoir un auditoire qui répond et en temps réel. Donc, avec un auditoire, on aura établi une sorte de rétroaction à partir de l'outil informatique qui se passe en temps réel. Cela sous-entend que l'enseignant et l'administrateur éducatif doivent l'utiliser pour devenir plus efficace. Comment? Oui. Et l'efficacité ici, c'est dans la gestion du temps. Vous savez, comment on pense le temps aujourd'hui? C'est le temps est l'unité de mesure. Hein? L'unité de mesure de l'expression de nos compétences. Voyez-vous? Et c'est par rapport au temps que nous sommes en retard, selon qu'on veut classer, ou selon qu'on veut faire une classification des États entre ceux qui sont les plus riches et ceux qui sont les plus en retard. Et quand on parle de la richesse, il ne s'agit pas d'une richesse en termes d'argent nécessairement, mais il s'agit d'une richesse en termes de domination à l'échelle mondiale par rapport au niveau de connaissance et à la maîtrise de la technologie contemporaine. Professeur, on aura sans doute des élèves qui vont faire des recherches avant chaque cours sur la base du programme qu'ils vont déjà découvrir en début d'année. Est-ce que cela ne va pas enfreindre les relations qui existent entre l'enseignant et son apprenti, si pour le dire? Non,
l'apprenant en amplifiant le spectre d'engagement ou bien d'appropriation des secteurs d'information permet à l'enseignant d'avoir une facilité à le former. Parce que nous ne sommes plus à l'ère d'un type d'éducation où il appartient à l'enseignant de tout produire pour l'enfant. Dans le système rétroactif, l'apprenant a une bonne dose d'informations à rechercher, à cultiver et à produire par lui-même. Il n'attend plus tout. L'enseignant adapte l'apprenant aux modalités d'application plus de la méthodologie que du contenu même de la connaissance. Donc, nous allons à l'école davantage pour apprendre la méthode que nous devons avoir. Comment devons-nous nous comporter pour apprendre? Ça sert beaucoup plus que c'est l'enseignement. Parce qu'il s'agit de construire la réalité contemporaine de manière à être au même niveau d'information que tous les autres membres de la communauté mondiale. Oui, oui, sinon on sera en retard. Bien sûr. Hein? Mesdames, messieurs, nous parlons de l'intelligence artificielle dans le système éducatif camerounais. Il faut se l'approprier pour ne pas être en retard. Nous revenons sur d'autres questions juste après la pause. Ouafrica TV, au-delà des idées reçues. L'appropriation de l'intelligence artificielle dans le système éducatif camerounais, c'est la question de votre émission Le Point. Et pour répondre aux questions autour, le professeur Mouchili, qui est enseignant titulaire de philosophie. Alors, professeur, quels sont les risques liés à la forte dépendance sur l'intelligence artificielle? L'usage de l'intelligence artificielle exige de nous une discipline. Bon, maintenant, si on devient addict à cette affaire, ça signifie que le processus d'apprentissage a connu des failles. Et l'apprenant qui commence à faire usage de l'intelligence artificielle, pendant qu'il est plus jeune, il est beaucoup plus insouciant de ce que pourrait, de ce à quoi pourrait donner lieu des exagérations. Et à ce niveau, est-ce que le type d'éducation que nous avons forme en maturant l'individu qui est l'apprenant, de façon à ce que la discipline qu'il acquiert le mette dans les dispositions telles qu'il n'en fasse pas un outil d'aliénation de soi-même. La dépendance à l'outil informatique ou à tout autre gadget de l'intelligence artificielle peut amener à croire que c'est plutôt l'outil dont on fait usage qui nous domine, alors que c'est l'inverse qui devrait se produire. Mais il faut le savoir, plus on est ancré dans la recherche, moins on a le temps de délaisser l'intelligence artificielle, parce que c'est d'un apport important dans le processus d'acquisition de la connaissance ou de la formation. Les dessins techniques aujourd'hui ne peuvent plus se faire nécessairement à la main. Donc, en transformant, en automatisant la structuration du formatage de ce que nous voulons produire comme connaissance, de ce que nous pouvons produire comme dessin technique, on gagne en temps.
Et le temps, je vous l'ai dit, c'est l'unité de mesure de notre performance. J'ai fait des réalisations, mais pendant combien de temps je réalise cela? La rapidité, dans la vitesse d'exécution, l'instantanéité, dans la production des résultats. Maintenant, il me revient d'être spontané selon que je veux que mes résultats soient instantanés. Donc, on laisse l'instantanéité à l'outil informatique et la spontanéité à la production humaine. Parce que l'outil informatique ne peut pas remplacer l'homme. C'est l'homme qui anticipe, c'est l'homme qui invente, c'est l'homme qui imagine. Mais la machine produit rapidement en exécutant la tâche qui lui a été confiée. Chacun est dans son rôle. Et l'aliénation signifie l'abandon de soi à un infra-humain. Or, l'humain est la superstructure qui utilise l'infrastructure qu'est l'intelligence artificielle. L'intelligence artificielle requiert une bonne connexion Internet, des outils informatiques. Mais est-ce que le Cameroun est prêt? Tout le monde est prêt, à condition qu'on veuille s'exécuter, qu'on y mette les moyens. Il n'y a pas d'éducation sans investissement. En tout état de cause, on ne peut pas dire que le Cameroun est en retard. On ne peut pas dire que le Cameroun ne sait pas ce qu'il a fait. On doit savoir que cette émission est possible parce que l'intelligence artificielle est réalisable et réalisée dans nos états. Voyez-vous, on n'en parlerait pas. Cette émission n'existerait pas. Alors nous sommes prêts. Monsieur, est-ce qu'il sera aussi l'intelligence artificielle, est-ce qu'elle sera aussi accessible à l'élève dans la zone rurale autant qu'elle est accessible à l'élève? Il n'y a pas deux systèmes éducatifs au Cameroun. Il n'y a pas un endroit d'éducation au rabais et un endroit d'éducation optimale. Non. En se basant sur le potentiel matériel dans les deux zones. Il y a des méthodes d'accès. Peut-être pas avec la même efficacité, pas avec les mêmes moyens infrastructurels, mais ne pensez pas que l'homme du village est totalement déconnecté de l'outil, déconnecté de cette intelligence artificielle. Vous pensez qu'il existe encore un Camerounais, quelque part dans le Cameroun, aussi lointain soit-il, que le milieu soit aussi enclavé qu'on pourrait l'imaginer, qui ne pense pas qu'il existe l'intelligence artificielle? Non. La preuve, nous avons la même épreuve de bac pour tout le Cameroun. La même épreuve d'informatique pour tout le Cameroun. La même épreuve sur l'intelligence artificielle pour tout le Cameroun. Il n'y a pas deux niveaux d'éducation. Alors, les moyens dans cette zone sont peut-être difficiles, mais cela existe. Comment est-ce qu'on peut garantir la confidentialité des données des étudiants lorsqu'on utilise cette technologie-là dans l'éducation? Il s'agit de savoir que autant on est intelligent, autant on peut être malicieux. La malice est le versant contraire de l'intelligence. Parce que l'homme, malgré qu'il a la capacité de fonctionner rationnellement, la même capacité s'utilise dans la ruse, d'où la cybercriminalité. Et parce qu'il y a cette cybercriminalité, nous devons être en avant-garde. Nous devons avoir une longueur d'avance sur ce qu'on imagine comme potentiel pirate des données que nous stockons dans l'outil informatique. Pour ce faire,
il y a une veille informatique qui s'institue et se structure de façon à ce que les données, dans leur discrétion, soient contrôlées. Il y a des potentiels de modification des codes d'accès à des niveaux d'information qui peuvent se faire toutes les 30 minutes ou toutes les minutes. C'est-à-dire, vous avez mis un code et de façon automatique, à toutes les minutes, le code change. Mais ce code connaît celui-là, non, l'outil utilisé pour et dont l'accès et auquel l'accès nécessite un code devra être synchronisé à son utilisateur. Parce qu'il faut aussi se rappeler qu'au fur et à mesure qu'avance l'outil informatique, on peut aussi synchroniser l'outil de cette intelligence artificielle à cette synchronisation aura lieu entre le moteur qu'on utilise et l'individu qui l'utilise. Et dans cette synchronisation, on peut inventer une capacité permettant la modification des codes d'accès selon un temps suffisamment bien échelonné, de manière à ce que seul celui qui conçoit les codes pourrait avoir accès aux données contenues par cet outil. Que conseillez-vous donc pour que l'intelligence artificielle soit aussi accessible dans toutes les zones du Cameroun et que chaque enseignant soit à la hauteur de cette évolution? Et vraiment, là, vous posez une question qui relève de l'État. Ce qu'il faut dire, c'est que on a suffisamment miniaturisé les outils dont on fait usage dans le système de l'intelligence artificielle. Et pour cela, il y a à toutes les échelles de la société la possibilité d'avoir à une intelligence artificielle simple mais efficace. Le tout dépend de la formation qu'on a eue pour avoir l'agilité nécessaire qui nous permettra de faire de notre téléphone un ordinateur, un robot qui produit des dessins techniques et tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, un seul outil, on ne va plus trop se plaindre d'électricité aujourd'hui, alors que même le vent peut être source d'énergie électrique, le soleil peut être source d'énergie électrique. Nous allons vers un système de production d'électricité qui fera en sorte que d'ici 10 ans, à partir d'un seul verre d'eau, on pourrait alimenter toute la ville de Yaoundé en électricité. Le gigantisme que nous avons avec les grands barrages et autres, ça va en s'amoindrissant. Ah, vous écoutez, c'est presque irréel. Hein? Non, c'est tellement réel que les premiers ordinateurs avaient la dimension de nos murs. Aujourd'hui, nous avons des ordinateurs dans nos poches. Et il est plus difficile de concevoir un ordinateur que de penser un système électrique qui alimenterait une ville. Voyez-vous? Et il s'agit de savoir comment manipuler la puissance énergétique des constituants électriques. À ce niveau, on sort progressivement du gigantisme infrastructurel à la miniaturisation de cette même infrastructure. Voyez-vous, nous n'avons plus. À une autre époque, on aurait des caméras gigantesques pour enregistrer cette émission. Bien sûr. Aujourd'hui, vous pouvez avoir des caméras que vous mettez dans vos poches. Ça veut dire qu'il en est de même pour les futurs barrages.
qui ne seront plus, qui ne nécessiteront plus que nous allions casser des forêts et recréer des cours d'eau afin de produire de l'électricité. Il y a des pays dans lesquels on a beaucoup d'eau, mais on ne peut pas avoir des barrages. Je parle par exemple du Japon, qui est la ceinture du Pacifique, avec la ceinture de feu dans le Pacifique avec les tremblements de terre. Mais il faut avoir de l'électricité. Comment ils font? Ils utilisent d'autres sources d'énergie. Voyez-vous? Donc, on va vers la diversification des sources d'énergie. Et à ce niveau, on n'aura plus besoin de très grands investissements pour produire de l'électricité. L'intelligence artificielle est aujourd'hui un outil qui nous aide à nous faciliter plusieurs tâches dans la vie. Élèves comme apprenants, apprenants comme enseignants peuvent l'utiliser à bon escient et surtout pour économiser le temps. Mesdames, Messieurs, c'était l'émission Le Point avec le professeur Mouchili qui s'est fait le plaisir de nous donner autant de détails autour de la question concernant l'appropriation de l'intelligence artificielle dans le système éducatif camerounais. C'était un plaisir de vous recevoir et un plaisir aussi de vous transmettre ces connaissances. À bientôt.